Hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va bien pour vous, parce que pour moi, ça va bien. Enfin bref, nous faisons donc l'épisode 6 de The Witcher 3 Wild Hunt. Donc oui, j'ai coupé l'épisode, les épisodes précédents en deux. Enfin, j'espère que je vais le faire, hein. Je ne vais pas oublier normalement de le faire, parce que bon, je fais des épisodes en avance, je rush le jeu un peu, quoi. Donc oui, donc en gros, j'ai fait 5 épisodes en avance. J'essaie de me maintenir dans les 30 à 40 minutes de format, parce que 50 minutes, c'est un peu beaucoup trop. Par contre, j'ai l'impression que ses cheveux sont beaucoup plus blancs. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça fait, là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Du vent. Du vent. Tu peux me dire ce qu'ils sont en train de faire, jeune dame, jeune demoiselle? Ah bah dis donc. Je savais pas que je te faisais autant d'effets. Vous savez à quoi ça me fait penser? À des fonctionnaires. Deux qui travaillent et deux qui glandent. Pardon. Désolé, je me sentais obligé de faire cette blague. Je suis désolé. Voyage rapide. Ah. Oh. Quête disponible. Hey! J'avais pas vu qu'il y avait une quête disponible. Je vais faire ça de suite. Oh ta gueule l'allemand. Alors. Ouais. Faisons une partie de Gwent. Pour miser, choisissez un montant hein, et confirmez en appuyant sur A. Ce montant sera ajouté à la cagnotte. Et si vous gagnez, vous récupérez deux fois votre mise. Bah, mise. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Alors, bienvenue dans le créateur de jeux de Gwent. Les joueurs de Gwent utilisent leur propre jeu personnalisé. Utilisez ce menu pour gérer vos jeux. Ok. Vous pouvez créer un jeu pour chacune des quatre factions. Nilfgaard, Royaume du Nord, Monstre et Squatayel. Bref. Utilisez LB et RB pour changer les factions. Nilfgaard, vous remportez la manche en cas d'égalité. Royaume du Nord, vous obtenez une carte supplémentaire à chaque fois que vous gagnez une manche. Squatayel, vous décidez de qui commence le premier tour d'une bataille. Premier tour d'une bataille. Ah, vous. Monstre, vous gardez une carte d'unité aléatoire sur le champ de bataille après chaque manche. Intéressant, donc chaque deck, en gros, a son. D'accord. A ses spécialités. Chaque jeu comporte un chef. Appuyez sur X afin de voir les chefs disponibles pour la faction sélectionnée. Carte de chef. Appuyez sur A pour choisir. La carte de chef en surbrillance. Chaque chef a une capacité unique. Servez-vous-en pour faire tourner la bataille en votre faveur. Les cartes de chef que vous ne possédez pas sont verrouillées. Vous pourrez les utiliser après les avoir acquises. Votre collection. Toutes les cartes en votre possession est utilisable. Et utilisable avec cette faction s'affiche ici. Les cartes actuellement dans le jeu de cette faction s'affichent ici. Le jeu doit contenir au moins 22 cartes d'unité. Il peut aussi contenir un maximum de 10 cartes spéciales. Ah. Vous pouvez intégrer plus de 22 cartes d'unité à votre jeu, mais cela réduira vos chances de tirer vos cartes les plus puissantes. Ok. Actuellement, il manque 2 cartes d'unité dans votre jeu, comme l'indique le chiffre rouge. Vous devez déplacer 2 cartes d'unité de votre collection côté gauche et le jeu actuel de côté droit. On va mettre celui-là alors. À présent, vous pouvez quitter le créateur de jeu en appuyant sur B. Avant chaque partie, appuyez sur Y pour commencer à jouer ou B pour quitter et abandonner la partie. Bah, je crois que c'est bon.
peux pas regarder le... qu'est-ce que me donne le... capacité du chef. Ah voilà. Prenez une carte brouillard impénétrable dans votre jeu et jouez-la instantanément. Il peut gagner 2-3 rois. Pas d'autres chefs, ok. Ok. Bah commençons la partie. La chanson est très entraînante, j'aime bien. Alors, froid mordant. Choisissez une carte à retirer. On va retirer une carte froidant, redondement froidant. Je peux pas aller voir de plus loin les cartes parce que là ça fait pas beaucoup. On a beaucoup d'herbes à l'étrier, je trouve. On va en retirer un. Ok. Début de la manche. À vous. Ok, donc on va essayer de le forcer à mettre des... On va mettre une baliste en premier à l'adversaire. Oh, archer. On va donc mettre du brouillard. Hop, ça retire un pour lui. Ah, ça le met à un, d'accord, parfait. Oh, l'enfoiré. Bah, tu sais quoi? Vu que ton arbalétrier est très fort, on va mettre un brouillard impénétrable. Il te sera bien dans la galère. Ok, on va en mettre un 5 aussi. Je suis à 11. Sonnerie de la charge. Oh! Froid mordant déjà, qu'est-ce que ça fait? Froid mordant réduit à 1 la force. Putain, parce qu'il est à 10 quand même, il y a 11. Et lui, qu'est-ce qu'il a comme spécialité? Placez la carte près d'un autre portant le même nom pour doubler la force des deux cartes. Ah zut, j'ai pas le même. Bon allez, on va le placer quand même parce que bon, on va être obligé. En tout cas, il joue son gros jeu direct lui. Ah, foiré va. Je vais être obligé de mettre le foire mordant. Hein. Je vais être obligé, je pense. On va mettre le froid mordant. À l'adversaire. Peu importe la raison. Merde, qu'est-ce que ça fait? J'ai pas compris. Il est donc à 5. On va passer le tour. Attends, mais... Ah, mais il joue deux... What the fuck? Ah, d'accord. Il a joué presque toutes ses cartes, quoi. Début de la manche. Adversaire, ok. Mais punaise, mais il a que des bonnes cartes, lui. Ah, mais d'accord, ça, c'est moi qui l'ai joué tout ça. D'accord, je viens de comprendre. Ok. On va mettre un ici au cas où. Votre adversaire a passé, on va passer aussi. C'est parfait. Vous avez remporté la manche. Début de la manche. Capacité de faction du Nord activée. Le Nord retire une carte. À vous. On va mettre un petit
Arbalétrie. Oh là 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 là. What the fuck. Je peux plus mettre le. Oh là 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 là. Terre brûlée, tuer le bétail. Oh! Ah l'enfoiré, non! Il ne reste rien là. Ah mais si je passe le tour là, je meurs. Ah bah dis donc. Bon bah je suis obligé de poser hein. J'ai que 3. Lui il a 12. C'est une victoire écrasante. C'est un pro le gars. Oh là là là, ouais c'est un pro. On passe, tant pis. On va ensoleiller, hein. Ouais, on a que ça à faire. Défaite. Oh là 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 là. Dommage, hein. Très très fort, hein, cet enfoiré. Ouais. Mais c'est le gars en plus qui. D'accord. La voyure. C'est le gars dont m'a parlé celui qui était dans. Dans l'auberge, ok. Bon, on a perdu 10 minutes à faire un jeu de cartes de merde. Désolé. On va se concentrer un peu plus sur d'autres quêtes avec un peu plus d'action. Bon, on l'aura testé. Et en effet, il est très fort. Fais-moi sortir, non? Ah, voilà. Et what the fuck? Ouais. Et sinon, je peux pas sortir en mode. Bon, bah, allez, les couilles. Voilà quoi. Ah, je peux pas retirer. Ah, si. Hey, je peux me mettre à poil. Yeah! La classe. Bref, c'était juste pour voir. Ok, mes bottes de chasse, hop, voilà. Bon, mais je vais vendre tout ce qu'on m'a donné, hein, c'est parfait. Il faudra de l'argent. Ça vaut cher en plus, non? Ah oui, ça vaut bien cher en plus. Eh, si c'est pas parfait ça. Si c'est pas parfait. Ok, paye en acier et... Paye en acier et paye en argent. Voilà, parfait. On va s'équiper de la bête. Voilà, j'ai pris ça pour la selle, des sacoches en plus. D'accord, ça range automatiquement alors. Ok, on a fait un petit point sur nos trucs. Mais je ne peux pas... Je voyais jusqu'à Vélène. Vélène, donc là-bas. Donc un nouveau territoire. Enfin, si je comprends bien. Ok, et avec plein de quêtes autour, par contre, ça c'est bien. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Donc ça vous fait un petit résumé, mais je ne peux pas le passer, hein, pour information. Comme ça, vous êtes bien au courant. Bon, ben, ça fait un petit résumé de ce qu'on a passé dans l'épisode précédent. Ce qui est plutôt bien d'un côté. D'un côté, c'est bien qu'ils fassent des résumés comme ça. Mais bon, quand tu enchaînes le jeu... Quand tu enchaînes plus de 3 heures de jeu à la suite, je crois pas que ce soit vraiment intéressant, mais bon. Bon, mais je pense que dans cet épisode, on va se concentrer un tout petit peu sur les quêtes secondaires. Et si je vois qu'on peut vraiment s'écarter des quêtes de la quête principale, je le ferai en stream pour plus tard, les autres quêtes secondaires. Et je me concentrerai donc sur l'histoire principale, bien sûr.
beaucoup de pendus. Un peu trop même. Mon avis pour si peu de conneries en plus. J'ai toujours la tête de griffon, je sais pas ce que je fous avec. Inventaire. Personnage, difficulté de la quête. Il se peut que certaines quêtes soient trop difficiles pour vous à un moment donné. Un niveau conseillé est indiqué près du nom de chaque quête. Lorsque votre personnage a atteint ce niveau, vous pouvez entreprendre la quête. Et on le voit où? J'ai pas vu là. Suivre les traces de Ciri. Ah, après niveau 5 conseillé, d'accord. Ok, niveau 10, niveau 16, ok, d'accord. Sur les traces de Ciri. Ok. Ah, il y a quelques monstres aussi. J'ai envie d'attaquer. On va se chauffer un peu les bras après avoir vécu avec ces fameux pourris de orienté. Allez ouais. Les chiens sauvages, je vous jure. Parfait. Oh. D'accord, et payer l'argent. Et comment on fait pour choisir l'autre? Donne deux coups pour voir, non? Pourquoi il sort l'épée en argent là? Je comprends pas. Un coup il sort l'épée en argent, un coup il sort l'autre. Je ne comprends pas du tout. Alors je suis peut-être débile, hein, désolé, mais... Je n'ai pas vu comment choisir l'un ou l'autre. Arrête avec ça. Tu fais peur à Ablette, dis donc. Du nerf, Ablette. Du nerf, pile poil. Allez, là, c'est une bonne route. Voilà. On garde la petite voiture. Qu'est-ce qui se passe? J'éviterai les marais à votre place. T'inquiète pas. Je suis assez fort pour ne pas les éviter. Et au contraire, me mettre en plein dedans. Avertissement, faites attention à ce que vous dites et les arbres ont des oreilles. Une personne qui vous veut du bien. Aidez-nous à lui dire adieu. Kylira Céline, notre Falibor vient juste de mourir. On s'en fout. La veillée des ancêtres approche. On s'en fout. Épouse disparue. Braves gens, ayez pitié et écoutez ma supplique. C'est ma femme Anna. Elle a disparu il y a quelques jours. Elle est partie du bois. Au bois pour n'en jamais revenir. Au désespoir, je ne donnerai. Je donnerai tout ce que j'ai à celui qui la ramènera ou qui me donnera au moins dans quelle direction chercher. Nélien, chasseur de morphité. Ah, ok. Tout propriétaire d'une vache laitière a obligation de la conduire. Passer ce délai, si nous trouvons une vache dans la cour de quelqu'un, il recevra 50 coups de fouet. J'ai besoin d'un homme pour pouvoir me guider. Ah. Moi et ma famille pour traverser le pontard. Nous sommes 5 en tout. Moi, ma femme et nos 3 enfants. Les petits sont calmes. Pas du genre à pleurer ou à crier, alors ils ne révéleront pas notre présence aux soldats. Je ne suis pas riche, mais je vous donnerai tout ce que j'ai. En fait, je suis prêt à tout, même à m'endetter ou à me mettre au service de quelqu'un, tant que ça me permet de quitter Velen. Je vous en prie, répondez à mon appel, Radost. On va voir, c'est intéressant. On ne devrait pas. On doit y aller. C'est quoi ça? Ok, alors j'arrive à allumer une torche, sans en mettre de flamme. Appelez-moi Dieu. Bah dis donc, c'est autant la pauvreté que ça. Tu nerfs, Ablette. La lune sera bientôt pleine. Barricadez bien vos fenêtres et clouez vos portes.
Ok. Valmourer. Chien qui est pas très content. J'utilise un petit peu mes sens du sorceleur. Oh, 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 calme-toi. Calme-toi, Blade, dis donc. La cavalerie a fondu depuis les bois. Et un mur d'un. Ça me dit que la porte est ouvrable alors. Pourquoi elle pleure? Tout le monde pleure. Ils ont rassemblé les hommes, les ont mis en cercle, les ont taillés en pièces jusqu'au dernier. Ces sales bouchers. Sorceleur? Oui, j'aimerais bien que quelqu'un me parle. De ces bêtes que vous avez. Ok. Alors attendez. On est donc à Velen. Arbre du pendu, on était là. Enfin, d'un côté, on vient de partir. Attendez, je comprends pas. On vient de partir d'ici. Genre, le gars, il s'est téléporté carrément au milieu de la vallée. Enfin, du pays, quoi. Au lieu d'être passé, je sais pas, moi, par là. What the fuck, c'est quoi ici? C'est l'armée? Enfin, je sais pas, normalement, j'aurais dû partir d'ici. Enfin, je sais pas. Et ils nous font partir du milieu de la carte, je comprends pas. Lieu non découvert. Ah, il y a une ville par là. Autant y aller. Ce sera peut-être un peu plus intéressant. Allez hop, c'est parti, pile poil. On a sûrement des monstres à tuer sur la route, mais bon. Ça nous fera quelques entraînements, c'est quoi ici? Des noyeurs? Ce sont bien des noyeurs, non? Des Necker. Oh putain. J'ai pris de l'eau pour avoir une regard de vitalité. Oh. Allez, allez. Wow, wow, wow. Oh, coupez la tête. Wow, j'ai eu chaud. Pouah, pouah, pouah. Oh, putain. Un bras en moins. J'aime qu'on puisse tout, qu'on puisse se couper les bras et tout. Donc c'est bien ce que je me disais, on pouvait couper, on peut bien couper les membres de chaque créature. J'avais vu quelques screenshots de ça et je me suis dit putain, ça, ça doit être bien donné. Ok, inventaire. J'ai pas des potions ou autre chose. Chahuant. C'est donc du pain que je mange depuis tout à l'heure. Pomme cuite. Allez hop, on régénère tranquillement. Oh putain de merde. Ça a failli se rapprocher de moi. On va essayer de les finir. C'est quoi ce marquage? Ah d'accord. Ah, ils mettent des marques quand on n'a pas fouillé l'inventaire. Ok. Bien, ça va bien. Ok.
Ok. Ils sont bloqués dans un endroit ou quoi? Alors attendez, ce que je vais faire, je vais prendre Quinn. Ok, on va prendre un peu de distance. Qu'est-ce que fout mon arbalète? Ah. Wow, 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 mais je vais mourir là. Toi, allez. Contre de la merde comme ça, je vais mourir. Impossible. Putain, faut que je fasse gaffe. Oh, bordel à queue. Ah d'accord, c'est le gauche et droite, ok. Je crois que l'épée en acier sera un peu mieux. Il va falloir que je refasse des provisions. Ça en fait pas beaucoup de dégâts. Attends, laissez tomber. Wow, wow, wow. Allez, allez. Parfait. Et le corps qui déballe. Allez, on ramasse, on les vendra. On va aller en ville, se faire un peu de provisions, parce que alors là, bordel à queue qu'on a eu chaud. Bordel de cul qu'on a eu chaud. Allez, viens. Je me demande si je pourrais un jour enlever cette tête de faucon. Enfin, de griffon. Allez hop, suis le chemin automatiquement. Campement de bandits. Ah mais c'est rempli de bandits ici. Ouah, je vole. Ok, c'est un campement de bandits alors. Ok, je pensais que c'était... Comment dire? Je pensais que c'était une petite ville, mais non, en fait. Pas du tout, en fait, ok. Bon, où est-ce qu'on va aller, alors? Ah, là, ça a l'air d'être une ville, là, par contre. Allons-y. Allez, cours. Je vais prendre un petit pain. Pour bien manger. Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Plus vite. Plus vite alors qu'elle est sur place. qu'est-ce qu'il y a ici? Du nerf, pile poil. Pas d'histoire. Oh. Allez. J'aimerais bien son jambon, moi. Autant dans la vraie vie que dans le jeu. Ok, comme ça, j'ai fait disparaître le point. Oh, Hamlet.
C'est moi ou ce village a l'air d'avoir subi des dégâts? Il bloque un peu. Ok. Sortons. À chaque fois, je me trompe de bouton, désolé. Oh, marchand. Ah. Ça serait intéressant d'aller le voir. Allez, allez. Pas d'histoire. Wow, j'ai fait tomber des bouteilles, négro. Désolé. Je sais qu'il est pas là, négro, mais bon. Faut que j'aille ce marchand là. Faut que j'y aille. Je vais vendre quelques-uns de mes trucs et lui acheter des provisions. Je sais pas, des potions ou des trucs du genre. Voilà. Eh, les marchands, dis-moi. Bonjour. Montrez-moi vos marchandises. Jetterai volontiers un coup d'œil. Alors, tu as 170 rums. Les gars qui prend leur rhum. Qu'est-ce que tu as comme provision? Enfin, si tu en as, j'ai pas l'impression que tu en as. Poudre de perles permet de fabriquer des objets. Ah, j'ai y a de l'eau là. Argent insuffisant. Ah, j'ai plus d'argent du tout. Ah bon. Tant pour moi alors. Ça. J'ai combien là? 34. Oh putain, mais ça vaut que dalle en fait. Ah, je suis déçu. Ça vaut que dalle. Et 41 pièces ça coûte. T'es sérieux? Oh là là, quoique j'ai assez de provisions. Hein. Que j'ai assez de provisions. J'en ai assez. Hein. Mais bon, au moins. Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mutagène bleu, mutagène vert. 5% des intensités de signes. Ouais, je peux en vendre quoi. Il est bien utilisé dans les potions alchimiques. Je vais les vendre. Sans donner car je vais les garder au cas où. Foi de monstre. Ok. Bah, je me suis fait des sous au moins. Je suis à 141. C'est plutôt cool. Allez, au revoir. Bon vent. Oh, bon vent, comme dit. Ok. Le cheval, c'est génial. Alors, surtout en anal. Pardon. Hop. Donc on va aller se rejoindre. Panneau d'affichage avec des quêtes dessus. Et je suis tombé le seul avec lequel il n'y avait pas de quête. Non. Je vais revenir à ce village là où j'étais. Ah merde. Faut que j'aille au panneau d'accord. Pousse le marchand là. Attention. Violemment. J'aime être violent. Je vais te faire avaler mon épée. Hop hop hop. Fais attention à ce que tu dis. Enfin j'espère que tu le dis pas à moi surtout. Enfin j'espère pour toi. Allez Ablette. Fais-moi montrer que tes jambonneaux servent pas qu'à me faire avancer, mais à me faire sprinter aussi. Et à filer comme le vent. Oh, comment je vous fonce dessus. Oh, ça vous fait chier. Hein. Alors. Voyage rapide, on va aller ici. On va retourner à Vamurière. Vamurière, le petit village du petit bon coin. Ok.
Ici, nous avons presque rien. À part des torches qui ne sont pas vraiment allumées. Donc sinon, les messages, ce que ça me disait. Cœur sauvage, niveau conseiller 7, collectionnez-les toutes. C'est détaillé une réputation de maître du poker comme il en avait dominé. Hein, on s'en fout par sortie de l'auberge. Les aubergistes ont le devoir de satisfaire les besoins de leur hôte. En général, ils parviennent en leur servant des boissons fortes ou en les écoutant parler de leurs peines de cœur et des blessures qu'ils ont reçues. Cependant, il arrive parfois qu'un client désire de faire une partie de Wint. C'est pourquoi tous les bons aubergistes gardent en permanence un jeu à portée de main. Et les meilleurs aubergistes possèdent un jeu excellent. Rempli de cartes exceptionnelles garantissant une soirée stimulante même pour le plus doué des joueurs de Gwent, Geralt était déterminé à s'emparer d'une partie de ses cartes. Ok. Contrat d'un sorceleur. Le démon près du puits. Ça, je l'ai pas fait. Ah, fait chier, merde. Échec quête secondaire. Ah, je sais pas par où chercher du coup. Rendez-vous à l'auberge de la croisée des chemins. Je suis que niveau 3, what? Ok. Alors, on devrait aller alors à la piste des nifs gardiens. Et c'est vers où? Juste pour voir, hein. Que j'y aille pas? Ok, c'est par là-bas. Putain, mais il y a plein de lieux ici, panneaux d'affichage. Je devrais aller vers le sud pour avoir des quêtes. Enfin, essayer d'avoir des contrats. Est-ce que je peux essayer d'avoir un contrat, là? Ou je peux me mettre un doigt dans le nez? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir trouvé des vraies choses, là. Tout propriétaire d'une vache. Si vous venez à boire à l'auberge de la croisée des chemins, n'oubliez pas d'apporter des couronnes de Novigrad. C'est la seule monnaie acceptée. Nous n'ouvrons pas non plus d'ardoise et les échanges sont exclus. Faute de mieux, j'ai donné à mes enfants des galettes de glands broyés. On va essayer de parler avec des gens. Y'a pas une auberge par ici? Il est quelle heure? Il est 21h. Un service, tu me diras merci. Comment je rentre chez les gens? Voilà, vieille femme. T'as les gars, n'empêche, il est bien devant son petit feu là. Tu m'étonnes qu'il dorme bien. La femelle, elle qui est dans son lit, elle est confortable, mais elle a pas si chaud peut-être. Enfin, je sais pas. Utiliser. Hop. Utiliser. Ça utilise même pas une minute. Verrouiller. Intéressant. Donc, ok. Donc, il faut découvrir quand c'est. Ah, punaise, je vous jure. Bordel de cul. Il va y avoir des choses ici, c'est pas possible. Y'a pas des gens qui veulent me donner une petite quête? Je veux EP, bordel de cul. Oh, comment je rentre chez les gens comme ça là? Je me suis pris pour Link. Ah, de l'eau, parfait. Hop, un petit peu de discrétion, ça fait pas de mal. Bon, on peut donc Ah, une porte.
pas trop brisé, je les vendrai. Je vendrai tout ça. Ok. Et une femme. Elle s'en fout que je sois chez elle et que je lui prends tout ce qu'elle a. Ok. Je prends tout, hein. Parce que bon, je suis pauvre. Ok, maison fait. On va prendre notre épée. On va pas abîmer celle-là en argent. Bordel que ça fait. C'est une maison abandonnée, ça. Minerai d'argent, page arrachée, décoction, déclinée. Épée de Vicaro, lingot d'argent, peau de loup, couronne. Ok, parfait. Fleurs séchées. Oh, prends ton épée, s'il te plaît. Ok. Range ton épée, ça suffira. Peau de loup blanc, cuir durci, ok. Parfait. Je crois que ça va être... ça va être le moment de faire des streams et de faire des quêtes secondaires du coup. Beaucoup de quêtes secondaires. Car il conseille le niveau 5, mais je compte taper jusqu'au niveau 15 peut-être. Donc bien sûr, tous les quêtes secondaires seront uploadées sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Donc si jamais une quête principale dedans que je fais sans le vouloir... Ça sera quand même sur YouTube. Mais voilà. Normalement, je sais faire la différence entre quête principale. Enfin, je peux faire la... Ouais, quête principale, ouais, c'est précisé quand même. Donc, même niveau 16, hein, c'est... Ouais, il faudra que je pose jusqu'au niveau 16, ok. Bah, je ferai ça en streaming. Il n'y aura pas de souci pour ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis... Passez une bonne journée, une bonne soirée, etc. Et hop, alors qu'il fut... Alors je vais dire ça, je crois que c'est la première quête que je vais faire. Alors qu'il furetait aux abords du village ombragé de Norfuté, Geralt découvrit un navire, celui-ci s'il te plaît. Hein ? Geralt découvrit un navire, celui-ci s'il te plaît. Celui-ci, s'il te plaît, qu'un chasseur, un certain Hélène, tu sais, cherchait de l'aide pour retrouver son épouse, disparue dans les bois avoisinants quelques jours plus tôt. Déjà lancé dans une mission similaire, Geralt a décidé de venir en aide au chasseur. Ah, bah oui, c'est la quête que j'ai pris. Ah, bah d'accord, bah voilà, j'avais pas trouvé, d'accord. Bah parfait. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne bourre, une bonne baise, une bonne matinée, une bonne déjeuner, un bon appétit, tout ça, tout ça. Sur ce, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, au plaisir !